Salut à tous, on se retrouve simplement pour une courte introduction afin de poser un petit peu le contexte. Donc cette vidéo, elle a été tournée le week-end dernier lorsque les compétiteurs donc de la SWAT Team se sont réunis pour un petit entraînement collectif. Et après avoir fait pas mal de muscle-up lestés aux anneaux pour ma part et des squats pour Ashura, on a eu l'idée de deux formats que vous allez voir juste après cette courte introduction. Donc pour le premier, on devait exécuter un muscle-up à 20 kg sur une barre fixe, suivi directement d'un muscle-up aux anneaux avec aussi 20 kg. Et l'objectif, c'était tout simplement de faire le plus de tours possible. Donc je vais vous laisser visionner qui de nous deux a réussi à faire le plus de tours sur ce format numéro 1. Et ensuite, on se retrouvera rapidement pour une courte explication du format numéro 2. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. C'est parti, 20 kg. Go! Voilà, c'est serment ça. Voilà. 1. Super. Allez. Deuxième tour. On tente les 5 là. Allez, 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 allez. Allez, c'est rien ça. Facile. Voilà en ce qui concerne le premier enchaînement, muscle up bar, muscle up anneau. Maintenant, on passe tout de suite au second enchaînement. Et pour celui-ci, on est beaucoup plus axé sur les dips, car on va devoir réaliser une dips à 80 kg sur des barres parallèles, enchaînée tout de suite avec une dips à 40 kg, donc la moitié de 80 kg, mais cette fois-ci sur anneau. Et malheureusement, comme on était un petit peu pris par le temps, vous allez le voir, un moment, je fais un max tout simplement parce qu'on n'avait plus le temps et qu'il fallait se dépêcher. Allez, on est parti pour ce second enchaînement. Bon visionnage. La même facilité, c'est trop facile là. Ah.
light, it's all over. It was good while it lasted. Voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Je trouvais ça sympa de vous partager ces deux enchaînements. On a eu l'idée sur le moment, donc on était déjà en milieu d'entraînement, donc on n'avait plus beaucoup de temps. Mais voilà, je trouvais le concept intéressant de voir qui allait faire le plus de tours. Ça change un petit peu. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a motivé. Pour reproduire ce genre d'enchaînement, il faut pas mal de matériel, donc c'est un peu compliqué. Mais si vous avez des anneaux et si vous avez une barre, pourquoi pas tenter vous-même ces enchaînements en adaptant la charge, etc. Enfin, vous faites comme vous voulez. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.